Une merveilleuse vie. Pousser, voir une plénitude d'âme qui portait mon projet à travers nos océans, puis faisant grâce des phrases pour nos dames restées au pays, à la monarchie riche de ses visages et voix sage. Puis, poussé par des forces qui m'entraînèrent dans des écrits au-delà des eaux, puis des rêves qui nous font vivre avec des songes amusants. Alors, venu du monde céleste pour nous immiser dans une écriture luxueuse et gracieuse, emplie de feuillage pour pouvoir envahir d'un savoir poétique et de calme. Votre tendre et sentimental serviteur, le poète romantique qui forme des songes. Le 11 mars 2013. Daniel Cupidon.